Bonjour tout le monde, ici Defroy pour aujourd'hui vous présenter le premier épisode du guide pour bien débuter les constructions sur Minecraft. C'est une reprise du guide pour bien débuter Minecraft de The Fantasio 974, mais d'un point de vue construction cette fois-ci. Parce que vous avez peut-être pu remarquer que The Fantasio n'a pas du tout approcher ce domaine-là de Minecraft, qui est pourtant, je pense, l'un des domaines principaux qu'il offre. Et je vais tout de suite, durant cet épisode, vous présenter l'architecture type, en fait, d'une maison moderne. Il y aura plusieurs sortes de présentations de construction sur ce guide, hein, que ce soit de la terraformation, de la construction moderne, de maisons médiévales, de maisons plus traditionnelles, de châteaux, de terraformation, je l'ai déjà dit, de construction organique aussi, comme des arbres géants ou des animaux géants. Il y aura aussi donc des véhicules, etc., etc., des bateaux, beaucoup de bateaux, parce que c'est vrai que c'est ma spécialité de construction, donc je vais en profiter pour faire un peu le tour de la construction de bateaux. Et pour ce premier épisode, je vais vous présenter la construction type, en fait, une construction type d'une maison moderne, qui est celle que j'ai derrière moi. Alors, quelques petites remarques, je disais, avant de commencer cette maison finalement, qui est que cette maison-là est complètement bourrée de détails, mais vous n'avez pas du tout besoin de refaire autant de détails que ça. Ça, c'est vraiment histoire d'illustrer sur une seule maison le maximum de techniques que l'on peut utiliser sur la construction de maisons modernes. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de bourrer autant que ce que j'ai fait. C'est vraiment histoire d'illustrer. Parce qu'il est vrai que sur cette maison là, c'est une vraie petite maison sur laquelle il y a tellement de décors que finalement c'est presque trop de décors. Mais c'est fait exprès et on va vous montrer comment construire, du moins comment vous donner le plus d'astuces que possible pour construire cette maison là. Sur ce, je vous retrouve directement sur une map flat pour commencer la construction. Il y a 4 grandes étapes dans la construction d'une maison ou dans la construction d'une grande structure, que ce soit une maison, un manoir ou un méga build. C'est toujours à peu près la même chose au niveau des étapes à franchir. Il y a premièrement les idées à trouver, qui sont assez négligées malheureusement assez souvent par les constructeurs. Les idées, c'est quel thème aborder, quelle couleur aborder lors de la construction de la maison ou du manoir, etc. Et un peu les formes qu'on veut donner aussi au manoir ou à la maison. Ici, la maison en l'occurrence. Donc, pour faire une maison moderne, on va rester dans un moderne très classique, c'est-à-dire avec une maison cubique. C'est-à-dire, on va faire en premier lieu une structure de maison qui va être avec des gros cubes ou des gros pavés emboîtés les uns dans les autres, comme ça se fait habituellement. Ça va être une maison moderne très classique, hein, sur laquelle après on va rajouter des toits beaucoup plus arrondis que cela pour casser un peu cet aspect cubique de la maison. Au niveau des couleurs, on va utiliser donc de la laine grise, grise foncée et blanche pour pouvoir donner des petits contrastes, aux différents murs, sans que cela ne donne des contrastes trop importants, parce que on va mettre des détails sur les murs d'autres couleurs qui vont faire encore du contraste supplémentaire. Donc du coup, pour l'instant, pour les murs, on va se contenter à des couleurs assez basiques, que sont les gris et ses variantes finalement. Voilà donc pour le côté théorie, si on peut dire, le côté l'idée de base de construction qu'on peut aborder. Maintenant, le point de vue peut-être le plus important de la construction, qui est la structure de la maison elle-même. Comment est-ce qu'on va démarrer? Eh bien, il y a une énorme facilité finalement de faire des maisons modernes une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait.
Là, par exemple, je vais vous montrer une structure en cubes, en gros cubes emboîtés les uns dans les autres. Par exemple, j'utilise de la laine grise claire ici. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, hein, un petit pattern au sol. On commence toujours par un pattern au sol. Ou du moins, on peut ne pas commencer par là. Mais c'est vrai que personnellement, c'est par là que je commence le plus souvent. On peut, après ça, prendre de la laine blanche. Et faire sur le côté en fait de ce cube-là un deuxième pattern au sol, mais cette fois-ci avec un bloc plus en profondeur, par exemple. Pourquoi pas? Hop, donc je vais faire décaler de 3 ici, par exemple. Hop, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Là, je prends vraiment des mesures très petites pour la taille des patterns au sol, le pattern des murs, mais vous pouvez bien sûr prendre des tailles beaucoup plus grandes. Là, comme je fais un tutoriel sur les maisons modernes en général, je ne peux pas prendre des dimensions énormes parce que ça prendrait trop de temps au niveau de la vidéo. Mais ça ne vous empêche pas du tout de prendre des patterns beaucoup plus grands que cela. Maintenant, on va prendre la laine grise foncée qu'on va mettre au même niveau que le pattern en blanc, pourquoi pas, avec un décalage ici, vous voyez, de un bloc pour vraiment donner un décalage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pourquoi pas, 6 sur 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop. Pour avoir en fait les patterns des murs que l'on va avoir dans la maison. Voilà, maintenant vous avez pu constater qu'il y a différentes hauteurs hein, dans le pattern des murs. Là, on va directement mettre le plancher à cette hauteur-là, hein, histoire de vous donner un petit repère. Hop. Donc, je n'ai pas aussi précisé les quatre étapes qu'il y a à respecter, ou du moins que je respecte personnellement le plus souvent pour la construction d'une maison moderne ou d'un manoir moderne, ou etc. C'est donc le côté théorique avec le thème à aborder, les couleurs à aborder, etc. Après, il y a la structure de la maison, les détails et le jardin, et après tout ce qui est aménagement intérieur. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Et on va en fait commencer, la structure du bâtiment comme ça. En fait, la partie blanche ici va avoir un toit en oblique, ce qui fait qu'on va faire un côté du mur qui va être plus grand que l'autre. Vous allez comprendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on fait les piliers après sur les coins en fait des murs, hein. On fait les piliers de coins histoire de pouvoir savoir où vont se trouver tel ou tel mur. C'est voilà. Après, on va directement utiliser des repères. Hop, par exemple, on sait que ici le toit va être oblique en demi-bloc, donc c'est quelque chose qu'on définit dans la partie théorique en fait, hein. Vous voyez, si ici on veut mettre des toits en demi-bloc, des toits en arrondi, des toits inclinés, des toits tout plats avec de la végétation dessus, c'est vraiment quelque chose à préparer un peu avant, hein, la construction elle-même, même si vous en avez pas tellement besoin habituellement. Si vous connaissez très bien la construction moderne, c'est vrai que cette étape-là, vous pouvez un peu la délaisser, mais si vous connaissez pas très très bien, c'est vrai que ces méthodes-là marchent extrêmement bien aussi. Hop, maintenant je vais faire coller le pilier du coin du mur en blanc ici là au toit directement, faire la même hauteur de l'autre côté ici comme ça. Ici, ce n'est qu'un repère pour l'instant, hein, donc ça ne va peut-être pas être les blocs qui vont constituer le toit, c'est vraiment juste un repère. Après, hop, je fais souvent des raccords ici comme ça pour vraiment montrer où est-ce que seront tel ou tel mur pour la structure du bâtiment. Hop, après, pour le pattern en gris qui est surélevé par rapport au blanc, eh bien on peut par exemple mettre quand même à la même hauteur les piliers comme ça. Comme ça, au moins on n'aura pas forcément les mêmes hauteurs que ce soit ici, là, dans cette pièce-là, que dans cette pièce-là, à l'intérieur même de la maison. C'est ce qui donne encore ici un style un peu moderne, je trouve, à la maison. Donc on fait les piliers des coins, hop, qu'on met ici tous à la même taille. Pourquoi pas?
Hop. Oupla. Et par exemple, ici, avec le pattern en laine plus sombre, on va mettre un bloc au-dessus. Voilà, pourquoi pas. Et on refait la même chose sur chaque coin. En fait, on dégage les piliers des coins des murs, en fait, de la structure de la maison. Hop. Que l'on va relier, histoire de vraiment avoir... histoire de vraiment avoir... de pouvoir voir plutôt les murs de la maison. Hop. Donc il faut pas du tout hésiter à changer vraiment la taille et les formes et les couleurs des murs, des patterns de la maison que vous allez faire. Là, c'est vraiment que la structure de la maison qui est faite. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième étage. Et pour ça, on va en fait reprendre les mêmes couleurs que pour le premier étage. Sauf que on va utiliser un peu des contrastes. Par exemple ici là sur le côté blanc et gris clair, on va mettre la structure du deuxième étage en laine gris foncé. Et on va mettre en blanc l'étage au-dessus du pattern en gris clair, en gris foncé, pardon, histoire de vraiment donner un aspect de contraste à la maison. Et on va commencer ici par exemple par le pattern du deuxième étage à partir d'au-dessus du pattern en gris foncé. Donc là je vais décaler de 3 par exemple et de 4 ici. Hop. Alors en fait pourquoi je fais un coin comme ça? C'est parce que je vais décaler la forme en fait du deuxième étage par rapport au pattern d'en dessous, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie du deuxième étage qui va être complètement dans le vide ici et qui va en fait surplomber le jardin d'en dessous. 1, 2, 3, 4, allez, hop, comme cela. Et on va... J'hésite à la faire fusionner avec le coin d'en dessous finalement. Mais bon, je vais respecter le pattern que j'avais fait à l'avance et je vais complètement fusionner avec le truc d'en dessous. Même si on peut ne pas le faire hein, très facilement. Hop. Voilà. Il faut toujours penser que les maisons modernes sont des cubes imbriqués les uns dans les autres. Ils sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Et c'est ça qui donne justement toute la dimension moderne en fait d'une structure. Hop. Là, on ne va faire que de 4, hein, de hauteur. 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Et on va faire différents types de toits aussi, suivant les différents patterns qu'on aura fait à ce moment-là. Maintenant, avec le pattern avec la forme du deuxième étage qui va venir en fait s'emboîter sur le pattern en gris clair, on va faire donc un contraste avec du gris foncé. On va prendre par rapport à ici, histoire en fait de donner l'entrée ici, et comme ça on aura un préau en fait finalement avec le deuxième étage. On va faire décoller le deuxième étage ici de 2 blocs et de 5 blocs de largeur hein, ici 4, hop, 5, hop, 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 hop. On va même le faire dépasser jusqu'ici. Jusque-là même en fait, techniquement. Bon, on verra bien. Et en fait, on va directement placer les planchers des différents étages, histoire d'avoir un repère visuel. Là, tel que vous voyez la structure de la maison, c'est un peu anarchique et on peut s'y perdre assez facilement, bien que ça soit une petite maison. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de placer directement les planchers des étages, histoire de savoir un peu où vous en êtes et d'avoir des repères visuels conséquents qui vous permettent de vous repérer facilement. Hop. Vous pouvez donc évidemment enlever les repères en fait des murs à l'intérieur de la maison. Hop. Vous pouvez même enlever les piliers ici, hein. C'est pas quelque chose qui gêne. Après tout, on est sur Minecraft, la gravité est gérée de telle façon à ce qu'on n'ait pas besoin de piliers, donc pourquoi s'embêter avec?
Ou du moins à l'intérieur des maisons. Au point de vue extérieur, on peut en avoir besoin. Hein. Je vais directement placer hop, des demi-blocs ici. Alors vous remarquerez que à l'intérieur de la maison, vous aurez sur un seul étage un plancher en fait qui est sur différents niveaux. Ça aussi, ça donne un côté très moderne à la maison. Hop, là je vais placer le parquet rapidement. Alors, vous allez pouvoir voir aussi qu'avec le fait qu'on ait décalé le deuxième étage du premier, on va pouvoir avoir des terrasses et des préaux en fait à différents endroits de la maison, ce qui va vraiment donner beaucoup de relief, là encore, à la maison elle-même. Hop, là, on enlève cette partie-là aussi. J'ai pas fait encore la structure du deuxième étage complètement, va falloir que je le fasse. Je vais le faire juste après avoir placé ces planchers-là. Hop. Donc ici, il va y avoir une terrasse aussi. Il va y avoir beaucoup aussi d'astuces de décoration extérieure. Il faut savoir aussi que pour faire ces tutoriaux-là, je m'inspire de beaucoup d'autres youtubeurs, par exemple, ou de projets que j'ai vus sur Planète Minecraft, ou ce genre de choses. Je ne fais pas ce tutoriel, ou du moins ces vidéos-là, tout seul, hein. Je m'inspire beaucoup d'autres choses, et je donnerai au fur et à mesure les références qui m'ont particulièrement aidé à faire telle ou telle chose au cours de la construction. Mais maintenant, on va passer directement à la construction, ou du moins à la finition de la construction de la structure du deuxième étage. Et comme vous avez pu le remarquer sur le modèle en fait que j'ai utilisé pour faire ce tutoriel, on a fait un toit en zigzag qui donne aussi un côté très moderne à la construction. Donc on va faire en fait ce côté-là, la façade de la maison très 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 grande, et on va la finir un peu par l'arrière. Il faut aussi donner le maximum d'allure à la façade d'entrée de la maison, hein. Par exemple, vous arrivez ici, vous avez bam directement une grande façade avec une entrée qui est couverte, donc c'est vraiment quelque chose de travaillé. On sent que c'est travaillé directement dès qu'on entre dans la maison, et c'est vrai que ça donne un côté très très sympa. Donc on va carrément faire ce pilier-là de 11 blocs de hauteur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, carrément 11, hein, voilà, faut pas hésiter à donner des proportions comme ça assez folles. Hop, on va reprendre ici à 3 blocs de hauteur, histoire de donner aussi un contraste avec le toit d'à côté. Hop, 1, 2, 3. En fait, on donne 3 blocs ici, histoire de pouvoir quand même passer. Ici, il va y avoir un passage, hein, par exemple. Il faut aussi un minimum penser à l'intérieur de la maison quand on fait l'extérieur. Il faut que les deux côtés, enfin du moins que les deux aspects de la maison soient respectés en même temps. Par exemple, si vous faites un extérieur qui ne correspond pas à un intérieur de maison, où vous avez beaucoup de mal, par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans une pièce, etc., ça marche pas, évidemment. Il faut que les deux soit enfin se correspondent en fait. Voilà, maintenant je vais passer directement à la construction des toits hop, de la maison, et on s'en arrêtera là pour cette fois-ci. Donc là, il y a trois blocs de différence, donc 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, hop, et on vient. Oula, j'arrive pas à casser les blocs que je veux. Hop, ici, là, entourer finalement le pattern ici qu'on avait fait. On fait des blocs de 1 comme ça. Et on fait un zigzag ici qu'on vient, hop, renfermer ici. Donc, vous voyez que ça colle avec le toit d'à côté. Mais c'est quand même sur un étage différent, du moins un bloc, un cube de différence, ce qui donne du relief, ce qui donne vraiment un côté plus de relief, voilà, sur la maison elle-même. Et on va finir aussi avec ce toit-là. Hop, donc on va mettre des toits comme ça. On va faire déborder en fait de chaque côté de la maison des blocs comme ça. Hop. On va éviter de casser le mur d'à côté aussi, ça serait pas mal. Hop.
Voilà. Ok, donc maintenant on va aussi utiliser quelque chose d'assez pratique finalement, qui est de mettre des blocs de glace ici comme ça, hop, comme ça, sur la longueur en fait du mur, ce qui permet du toit pardon, ce qui permet de donner un éclairage naturel à l'intérieur de la maison. Hop, ça on coupe. Et voilà, donc pour l'instant on a fini la structure de la maison. Ici le toit, vous allez me dire qu'il n'est pas fini, c'est normal en fait, il va être plat, on va le rester plat, le laisser plat pardon, et on continuera la prochaine fois parce que je vois qu'on est déjà pas mal avancé au niveau de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous et à la prochaine pour pour le deuxième épisode du guide pour bien débuter les constructions sur Minecraft. Salut tout le monde et bon vent matelot!